Salut YouTube, ici Mikado, et on se retrouve, alors pour un contenu un peu spécial, je me suis toujours promis que dans le 2, je le ferai, c'est les batailles de quêtes. Les batailles de quêtes, j'aimerais toutes les faire à la difficulté proposée par le jeu. Si jamais elles sont trop faciles, je me pose la question si j'en ferai pas plusieurs, et si jamais il y en a une compliquée, dont j'ai un très bon exemple sur le 2, celle de Orion, pour récupérer le corps, je crois, où tu dois combattre un chaman qui a un effet... c'est peut-être Morgure qu'il faut combattre, qui a un effet corrupteur sur toute la carte à un moment. J'ai envie de tester ça sur le 3, c'est un contenu qui n'est pas forcément souvent montré, et pourtant, ça en fait partie, hein. Ça prend quelques heures à le faire, si on se donne le défi. L'intérêt de le faire, vous savez, les batailles de quête, finalement, quand vous les faites donc, sur Twitch, hein, je vais radoter un peu. Les batailles de quête, vous les faites dans les campagnes. Vous les faites avec vos propres armées. Des fois très puissantes, donc la bataille de quête sera trop facile. Des fois pas assez puissante, et du coup, elle sera très difficile. Là, c'est le jeu qui décide de me donner telle armée ou pas. Je sais pas si en changeant, par exemple, si je mets en facile, j'ai toujours la même armée. Mais normalement, en très difficile... Alors, il n'y a pas de... Non, je crois que la taille des renforts reste plus ou moins la même. Par contre, voilà, le combat sera quand même assez différent. Faire fuir les ennemis, etc. Donc, on va commencer par Scarbrand. On va en profiter pour lire un peu l'histoire de cette bataille de quête. Je trouverais ça toujours intéressant. Et après, on va la lancer. Donc là, on est sur celle de Scarbrand pour les haches jumelles démoniaques. Massacre et carnage doivent être nourris sur l'autel d'Airain pour leur redonner leur puissance et leur lustre d'antan. Après des négociations serrées, une alliance a été formée avec deux frères buveurs de sang de Scarbrand qui ont rassemblé leurs troupes en vue du combat. Une horde de Nurgle a été attirée vers l'autel en vue d'être sacrifiée. Et pourtant, Khorne ne se soucie pas de savoir de quel côté coule le sang et la seule pensée d'un retard inquiète Scarbrand. Ok. Pourquoi attendre un massacre alors qu'il y a tant de corps ici? Donc a priori, on va essayer de massacrer sûrement les deux frères. Parce qu'on le voit déjà en face, plus d'une Nurgle. Donc on va tester celle-ci, c'est un peu le premier pas pour voir la difficulté de cette bataille de quête en très difficile. Nakai, ouais, je crois que je peux, techniquement. Ouais. Alors il y a des quêtes, je les connais pas. Et donc ça va être une découverte pour moi, parce que par exemple, Costaltine, j'ai jamais fait. Qui je... Scrag, je crois pas que je fais sa quête. Salut Faraday! Donc on va voir si c'est facile ou pas. J'ai quand même une bonne armée, hein. Quand je regarde la gueule de l'armée, ça va. Ce qu'ils me fournissent, c'est quand même pas mal, hein. Ça a le mérite d'être clair. Peut-être monter un peu le son du jeu, hein. Un tout petit peu le son. Alors, nous pouvons attaquer deux armées en fond ou en attaquer une en premier. Qu'est-ce qu'on a? On a du sanguinaire, de l'écarisseur, minotaure. Ok, il n'y a pas tant de... Ouais. Bah, je pense qu'il faut plutôt faire le pas d'en attaquer... Ok, donc là on a le choix de plus ou moins si on veut sacrifier ou pas. Le problème c'est que les deux buveurs ils sont là en fait.
Ok. Alors les chars, je sais pas s'ils vont me servir beaucoup hein, ici pour le coup. Comme les chiens. Les chiens, je vais d'abord les mettre au centre parce que je sais pas encore en faire. On va essayer de pas tout envoyer non plus. Hein. Pas être trop gourmand. Je pense que lui va aller là aussi. Alors, est-ce qu'ils vont tous me sauter dessus après ou pas? J'essaierai de passer peut-être avec les écarisseurs. Donc là, d'abord, je dois sacrifier finalement les armées des deux frères. C'est les mecs se sacrifient pour lui. Hein. 83, 50. J'ai la possibilité d'enrager. Du sang. Pour... Voilà, donc là, il sait que finalement, je lui fonce dessus. Ah, je peux ralentir le jeu? Bah, il vient me duel ou il me duel pas là? Bon, il sait pas ce qu'il veut, hein. Ah, ça me charge quand même en vrai. Hein. Par contre, ça me charge. Ok. Les chiens, en vrai, faudrait éviter de les envoyer, je pense. Bon, au moins, ils farment. De toute façon, on n'a pas 10 000 choix en vrai de... Là j'ai quoi? Là c'est du massacreur de cornes. Ah. Je suis pas sûr de kiffer là. Ok. On va faire ça. On va bloquer avec ça. Ok. Au pire on peut les entourer. On va essayer de les écraser là. Les écarisseurs prennent cher. Scarbrand a quand même pris pas mal de dégâts. Je pense qu'il va falloir claquer des trucs des fois au bon moment. Était-ce vraiment une bonne idée d'affronter ça? On va voir. Ok, on perd une unité. Voilà, Scarbrand prend super cher. T'es à pied, toi? Ok, les deux autres arrivent, ça me va. La horde de Nurgle est enfin là. Ok. Ok, je peux l'effacer lui. Lui en vrai, si je me. Là, je me débrouille. Vas-y, atterris. Le problème, c'est que la horde de Nurgle, elle est où? Elle est où? Elle est là. Ok. Il a pas forcément des effets très intéressants. Voilà, je m'occupe de lui là. Voilà, on essaie de l'effacer là. Et après, il va falloir que je le tue, c'est pas possible. Ok, voilà. Ils sont en train de se dissoudre. L'autre il balance des sorts pendant ce temps là. J'aurais bien aimé me replacer. On va peut-être pas tout envoyer non plus. On va garder les chiens. Je pense que les sanguinaires, on va les envoyer. Là, on va pas avoir le choix. De toute façon, on va falloir aller les chercher. On a qui? Ok, le seigneur. Ok. Alors, pas tout de suite, lui. Par contre, ça, oui. Ça. Comme ça. L'autre, il est pas encore mort.
ça promet d'être chaud parce qu'on n'a pas encore tout tombé. Hein. Alors je vais essayer de faire des... Non mais par contre... Voilà, vas-y, mais recule, s'il te plaît, après. Qu'est-ce qui retient comme ça mes troupes en vrai là? Attendez, j'ai un beau lance-flamme à claquer là. Eh, tant pis, on va dans la mêlée là. Allez, tu vas là. C'est quoi qui tire? C'est ce canon de merde. Allez, faut pas les lâcher. Ah, c'est chaud, hein. Oh, c'est chaud. Je vais essayer de rouler avec ça sur les troupes. Faut pas que je perde Scarbrand parce que sinon ça perd son sens. Hein. Putain, mais j'ai un buveur qui est tellement bien. Je suis censé sacrifier. Oh là 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 là. Un seigneur a été éliminé, éliminer celui qui reste. Bah ouais, je veux bien, mais... Là, la masse, ça veut plus rien dire, de toute façon. Là, je suis en train de lui demander s'il peut me tuer ça. Je vais devoir rouler là-dessus. Je vais essayer de remettre un lance-flamme. Oh ouais, il ça shoot sur mon seigneur. Hein. Ok. Putain, mais il y a encore le canon qui est libre. Oh là 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 là, et il me shoot mon héros, c'est ça le problème. Ok, t'as fait le pire tir du monde, c'est pas grave. Je t'en veux pas. Hein. Oh, bien joué ça, je peux pas. Oh là là, foutu. J'aurais dû l'envoyer. J'aurais dû l'envoyer à... Allez, tu peux rouler un peu, s'il te plaît. Accélère la machine, là, les éventreurs. Faudrait que j'arrive à tuer ce seigneur. Non, je vois pas comment faire. Hein. Comme ce foutu canon à crâne, là. Et bah, heureusement qu'il roule, hein, parce que... franchement, je pense que moi, si je marche à côté, je vais plus vite, hein. Est-ce qu'on va arriver à tuer ces seigneurs pourris là? Voilà, si je peux. Si je peux le tuer. Allez, vas-y, minute de frappe, là. Ok, les chars fuient. Oh, chaud, hein. Ça a nécessité un petit retrait, je pense. Hein. Et l'autre, mais comment tu régènes alors que tu touches la bite, littéralement? Tu combats même pas? Comment tu régènes tes munitions, toi, en fait? Scarbrand meurt. On peut recommencer. Scarbrand est en train de mourir. Je peux plus compter sur lui. Admettre la défaite. Ok, on va faire mieux. On va faire mieux. Merci du coup, Rav Gaming, pour le follow, bienvenue. On va faire mieux.
Donc déjà, il faut que je fasse attention. Au départ, il dit lequel je devrais lancer, plutôt celui de gauche, plutôt celui de droite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais répartir. Je vais aller chercher les canons à crâne parce qu'ils ont dû faire mal sur le temps. Alors le problème, c'est que il y a deux seigneurs, il y a un broyeur d'âme et un buveur. Escarbon, il peut pas les enchaîner un par un, ça marche pas parce qu'il va prendre cher. Il régène pas lui. Vous voyez le principe? Et pourquoi c'est compliqué? Ok. Massacreur et ça. Donc je pense toujours qu'il faut garder cela. Peut-être prendre eux sur le côté cette fois. Les chars, à part rouler sur ce qui arrive de Nurgle, je vois pas quoi faire hein, pour eux. Et là, on arrive un peu plus énervé. Ça, je pense que ça passait bien, ça. Mais on va essayer de descendre ça rapidement. Hein. Allez, on se place. De toute façon, on a le temps. La caméra vomit. Et les autres, on va attendre qu'ils viennent au contact. Hein. J'aimerais bien un petit lance-flamme sur les sanguinaires là au départ. Non, merde, je me suis trompé de spell. Ah, le con. Ah oui, j'ai le droit. Par contre, j'ai le droit au ralentissement. Ça, c'est vrai. Voilà, donc là, ça risque de venir au contact. Faut juste je vois avec qui. Et si je peux, essayer de le descendre. Ah, je me prends un petit lance-flamme bien calé en plus, vous avez vu. Donc le broyeur d'âme, c'était pas forcément une si bonne idée. Hein. Je suis pas sûr que le cultiste ce soit une bonne idée de... Non mais sors-toi de là s'il te plaît. Allez, on va essayer avec ça, on est en mode anti-large, on verra bien. Ah le... deux buveurs, enfin... trois buveurs au total alors que nous on est tout seul, c'est... Allez lui si on pouvait le buter... Pas... Toi tu restes là toi. Toi tu restes là, tu t'occupes de ça là. Et anti-large perce armure là, tu me fais du dégât là. Allez. Fais le taf un peu là. Bon, j'ai mes sanguinaires qui sont en train de crever. Ok. Oh,
regardez les points de vie de mon Scarbrand, il est déjà tellement mal en point. Allez. Le problème c'est qu'en fait je me fais shooter par ça tout le temps. Donc là faut s'en occuper maintenant. Allez, on va essayer de les tuer très rapidement si possible. C'est normal que vous galériez. Ah putain, c'est des massacreurs. J'ai des écarisseurs. Ok. Ok, on va essayer de booster ça. C'est chaud, hein. Au fait de me demander de gérer Allez, chope-le là. Il est pas censé fuir, lui, t'es censé l'ouvrir. Pourquoi il tient autant de temps, quoi? Ouais, non, mais de toute façon, vu comment vous rentrez dedans. Ouais, non, mais ouais, du coup. Non, non, ça, c'était très mauvais trade. Je pense qu'à mon avis. Je pense qu'à mon avis. Ça me semble encore mal parti. Et eux, ils arrivent pas à choper un canon à crâne. C'est en mode horrible. Tu sais, c'est. T'en as juste ras le cul, quoi. Et t'as l'hôtel, l'autre qui va les garder, tu vous allez voir. Je comprends même pas pourquoi il meurt pas lui, hein. Non, ça ne passera pas. Ah, pas facile, hein. Bon, on va essayer d'envoyer un peu plus aux pierres, feuilles, ciseaux. Donc c'est un massacreur qu'il y a sur la droite. Donc déjà mes écarisseurs, non. Est-ce que même je garderai pas mes écarisseurs? Est-ce que j'enverrai pas tout au même endroit pour que l'autre vienne par derrière et je recule un maximum d'unités? Comment dire? Parce que là, l'équilibre, il est bon, là. Là, il est bon. Et finalement... Ouais, mais le problème, c'est les buveurs. Si, j'ai peut-être une idée. En fait, ça, est-ce que j'essaierais pas de contenir les renforts de Nurgle avec genre ça? Bon, toi, tu... Alors, le problème, c'est que t'invoques un sanguinaire, donc il faudrait que tu te tapes quand même. Hein. Le problème, c'est que les chars, ils servent à rien, là. J'ai des chars éventreurs, ils me font rigoler plus qu'autre chose, quoi. Secours. Après, si j'envoie ça et les écarisseurs, en vrai, déjà là, on a un truc qui tient, hein, face à Nurgle. C'est ces chars de mort, qu'est-ce que je fais avec eux, quoi? Contre Nurgle, c'est nul. J'envoie ça et j'espère tanker ça, mais jamais de la vie. Le problème, c'est que canon à crâne plus canon machin, là.
En fait, j'aimerais bien qu'il passe là pour peut-être charger comme ça. Dis bien peut-être, hein. Limite, peut-être que lui, il faudrait qu'il se tape. Allez, fais-nous un beau lance-flamme, évite de le foirer. Ce truc-là, en vrai, tient super bien. Ok, apparemment... Ah non, non, il est pas parti, en fait. Ok, on va attendre. Là, vous voyez, le fait que je fasse ça, déjà, il est incité à prendre un autre chemin. Peut-être même à pas aggro tant que ça, au final. Il a l'effet encouragé. Donc là, on a les trois seigneurs, déjà. Allez, j'envoie les chiens. Ah putain, mais il y a toujours les massacreurs par contre. Hein. Ok, ce qu'on peut faire, c'est peut-être tuer... Si. On peut le tuer très vite, le massacreur, si on l'entoure au final. Là, pendant ce temps-là, bah, écoutez. Là, je peux pas mieux cumuler les seigneurs, là. Faut que je fasse gaffe à lui quand même. T'as quasiment plus de vie! Mais c'est Scarbrand ou c'est Scarmouche? Il est tellement fragile en vrai! Par contre, là j'ai entouré à mort. Hein. Donc là ça sort pas ça. Ça ne sort pas. Hein. Oh putain, mais lui il vole. Il va aller me taper! Ah c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Et dans 10 secondes, je peux les arracher. Il est sorti le canon. J'en peux plus de ce canon. J'en peux plus. Il va me tuer Scarbrand, je vais devoir recommencer. Bah ouais, il va me le tuer. Il est mort. J'aimerais bien réussir. Il est mort. Mais ça me fait pas perdre la bataille, étonnamment, mais... Oh, si, si. Ok, je pense que je suis sur la bonne voie. C'est Journus, hein. Le mec, il te met un broyeur,
un seigneur buveur, un autre seigneur buveur, avec un buveur de sang tout court. T'as des minotaures, t'as un écarisseur et tout au départ, et après tu dois affronter Nurgle avec genre 3 porte-pestes, des mouches, un grand Simonde. Et quand je vous ai dit, hein, les batailles de quête, elles vous mettent au défi. Hein. Je pense que j'ai pas le choix d'essayer. Est-ce qu'il y a un délire où... Mais ça, c'est pas vrai. On peut pas attaquer en premier, là. Ou je sais pas quoi. C'est faux. Vous mitonnez. Vous mitonnez. Je suis obligé peut-être d'essayer, hein. Genre une mêlée chelou ici, là. Et j'ai l'impression que je dois pas balancer ça. Enfin, le problème, c'est que je génère rien là-dedans, là. Point nécessaire pour la prochaine. Les points sont générés pour chaque entité ennemie tuée. Bah ouais, bah... Dis donc, ça vaut pas grand-chose, les entités ennemies, hein. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien... réussir ma vie. Je vais tenter un truc. Je vous dis, là on en est au Xème try. Et on tente de façon désespérée, mais on tente quand même. Important. Le problème, c'est qu'il y a un tireur au fond. Mais... Ouais, je vais essayer d'encaisser, quoi. De l'e-sport, pas du tout. Il y a des tournois Total War Warhammer, mais il n'y a pas vraiment d'e-sport. C'est bon, je les ai à peine touchés, mais c'est pas grave. La 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 la. Biro liro riri la la ri la ri ri. Je rejoins mon armée. Ils n'ont rien vu venir. Et bouge, réagis. Non mais regardez comme il a déjà pris cher par Varash. Mais Varash, il est plus fort que toi. C'est pas Scarbrand. On m'a mis tôt sur lui. C'est pas vrai. Non non, je veux pas y croire. Ça peut pas être Scarbrand. C'est Scarbrand l'irrespecté, quoi. C'est Scarbrand. Enfin. À l'aide. Tiens. Envoie les chiens. Arrêtez la caméra, s'il vous plaît. Mettez des un sol invisible. Qu'on puisse enfin faire quelque chose. Bah non, ça c'est mort. Je vais vomir. Non, non, vous lâchez pas par contre. Hein.
Il est où le canon à crâne? Là-bas. Chaos Warriors of Kor! Oh, y'en a un de mort. Est-ce que ça me donne des buffs, des trucs comme ça, j'en sais rien. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es pas là-bas sur ce canon là? Mais explique-toi, c'est important. Là, normalement, tu vois, t'es censé être... Là, t'es pas à ta place, là. Je pense que tu t'en rends compte. Je pense que tu t'en rends compte que t'es pas à ta place. Je veux vomir. J'en ai marre. Rien que pour la carte, t'as envie de partir, en fait. Ok, j'ai un chien qui est mort, super. Ok, j'ai toujours mes chars là. Darkness, blood, wolf, an axe for corn. Slaves to darkness. Et bah pour l'instant, ça m'a l'air un peu plus propre. Le truc c'est que j'ai toujours ces minotaures à gérer. Faut pas oublier, faut pas oublier. J'ai toujours un fusil à pompe dans le dos là. Je vais pas les envoyer. Allez, accélère. Le but c'est pas de te faire attraper, hein, c'est... Ok. Bah espérons que ça lui donne de sacrés buffs, hein. Ok, on va tenter un truc. Je veux voir si ces Minotaurs se tapent face à ça. Parce que mon but un peu désespéré, c'est d'amener Northern Barbarians, where chaos commands. Of chaos, army of the dark gods. Scorpion, the Black Fury, a sacrifice. Est-ce que vous êtes ennemi ou pas? Ça m'intéresse vraiment d'y répondre. Non, meurs pas. Non, par contre, tu meurs. Je te déteste. Hein. Oh là là, non mais au secours, les éventreurs ça, non, 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 ça c'est du mytho ça. Ah bah il est mort. Ah tant pis, je peux rien faire pour lui hein, s'il meurt. Hein. Allez, hein, tant pis. Hein. On essaiera de faire sans Scarbrand. Hein. C'est là, je peux pas le sauvegarder. Il peut pas affronter trop de trucs comme ça, c'est pas possible. Donc là, on va essayer avec ça. Alors toi, ça serait bien que tu reviennes quand même. T'as un petit effet encouragement qui est pas mal. Hein.
Allez, tuez-les les mouches là, s'il vous plaît. Allez, tuez-les. Non, vous pouvez le faire, je suis sûr. Vous pouvez le faire, allez. Allez, faut taper les mouches. On tape les mouches, allez. On met des coups dedans, on les calme. On n'en parle plus. Le problème, c'est que je prends tarif. Allez, les momouches, on meurt, les momouches. Allez, allez, terminé. Allez, on essaie de, d'écraser ça, là. C'est bon? Elles veulent bien mourir, les momouches? C'est un truc de ouf, les drones, hein. Non. Et pourtant, là, on était pas mal, hein. On était pas mal, hein. Ah putain, je vais peut-être en essayer une autre bientôt, histoire de d'en réussir une à un moment. Donc déjà le positionnement pour essayer de tout encaisser, ouais. Le chien, je vais le mettre devant pour qu'il aille chercher très vite le canon, parce qu'une fois qu'il se sépare le canon, je le tue. Avec les chiens. Les écarisseurs... Idéalement, j'aimerais bien les garder contre Nurgle, mais... Et je vois que j'arrive pas à grimper jusqu'à l'épée. Hein. Parce que j'espérais là ne jamais le claquer pour avoir un moment l'épée, mais... les. Alors ça, d'ailleurs, en Immortal Empire, ça serait bien qu'il règle un peu la puissance de ce truc. Et que ce soit enfin jouable dans une bataille. Parce que j'ai fait 3 batailles dans ma vie où, avec Khorne où j'ai pu enfin utiliser l'épée. Hein. Et je parle pas en PVP. Hein. Je parle juste en PVE. Hein. En PVP, je l'ai jamais vu. Hein. Donc ça, c'était pas une mauvaise idée. Tac. 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 On va les mettre dans l'ordre qu'il faut. C'est ouf comme les chars sont vraiment inutiles, les chars éventreurs. Hein. Enfin, contre Nurgle, c'est inutile. Contre Khorne, c'est inutile. Ouais, c'est, ça peut être bien si je me tapais contre qui se lève avec des cossards. Si je me tapais à la limite contre Katé avec les halbards machin là. Ça pourrait être pas mal de charger, mais là, c'est nul. C'est vraiment nul. Je ne charge pas mon ennemi. Fais gaffe à bien les sortir dans l'ordre. Allez, allez, cette fois c'est la bonne. Donc XM travaille encore comme d'hab. La stratégie du côté, on tente pour encaisser en fait plus ou moins toute son armée en même temps en fait. Alors je vais pas utiliser le truc de flamme au départ. Maintenant qu'il est aggro. Avec le ver de terre. Vas-y, descends. Allez, on essaie de s'en occuper, lui. Allez, faut le gangbang, là. Hein. Là, faut le soulever. Hein. Tout est passé, là, plus ou moins? Pas encore. Yeah.
Alors, on a un buveur. Et on a le seigneur Varash. Ok, j'ai enragé. Et là, je vais essayer... mettre un petit coup de lance-flamme sur la petite unité, là. Et pour l'instant, on s'en sort pas mal. Faut que je fasse attention au... Je me casse. Voilà. Ok. Ah, la caméra, s'il vous plaît. Ouais, que j'arrive à le faire lâcher. Pour l'instant, on est pas mal. J'ai sauvegardé quand même pas mal d'HP à Scarbrand. Allez, on va charger ça. Parce que là, c'est pas loin d'abandonner. Yes. Non, mais par contre, le canon, s'il te plaît, meurt. Fais-moi plaisir, meurt. Voilà, là, ça abandonne. Non, pas besoin de lui. Encore une fois, je m'en sers pour bait les massacreurs. Ok, j'ai le droit à un sanguinaire. Hein. Ça peut peut-être être pas mal de se replacer. Ok. On a Nurgle qui arrive. Je vais devoir m'occuper d'abord des massacreurs. Tout le reste, ça se place. Tout le reste, je le place. Ouais. Spreading slaughter. Le problème, c'est le broyeur là qui va me rendre fou, je pense. Les carisseurs, je vais l'éloigner. On en est où sur les massacreurs? Ah putain. Il y a l'autre, il a dû être dévié là. Bon, c'est pas grave. Allez, on commence à y aller. Allez, Nurglings, on va essayer d'écraser là-bas. C'est bon, ils sont morts. Allez. Je m'éloigne un peu. Super, merci de me coller un truc qui me sert à rien. Allez, là il paraît qu'ils ont leur meilleure charge là.
Là, Lang, il est top, là. Ah putain, j'ai même pas pu invoquer. Eh, reviens toi. Reviens s'il te plaît, reviens. Tu peux le faire. Le problème c'est que les drones tiennent le coup là. Ok, tu vas m'invoquer un sanguinaire. Allez. Sur lui. Sur ça. Allez, il est trop rapide, il attaque. Voilà. Et ben, ça aurait été très compliqué. On a fini par trouver la strat. Ouh. Bah c'est tout, hein. Ok. On va voir un peu le résultat. Les minots ont fait le café. Scarbrand, 16 000 de dégâts, 3400. Bah, il tapait les seigneurs. Ah, donc vous voyez, Nurgle était bien avec eux. C'était bien ensemble, hein. Je pouvais pas les attirer. Eux, je leur ai demandé de tenir. Ah, ils ont fait quand même de bons dégâts, les anti-larges. En même temps, des chargeurs là-dedans, je suis pas sûr que je fasse un moment quelque chose. Et là, je pense que c'était les pièces maîtresses, là. Ok. Et bah du coup, côté YouTube, on peut s'arrêter là. On a fait cette bataille de Scarbrand durement. Hein. Là, je sais pas, on devait être au 10e essai. Comme quoi, c'est pas simple. Normalement, je vous ai ramené directement sur le dernier try. Et puis voilà, hein. Simplement, on a employé une strat où on essayait d'encaisser plus ou moins tout en même temps. Éviter de trop prendre de dégâts, de se dispatcher, j'y arrivais pas. Ils avaient de bonnes unités et surtout 3 buveurs de sang au total. C'était horrible. Pour Scarbrand, pour pas prendre trop cher. Le canon, fallait vite l'occuper. Je voyais que c'était très important dans cette bataille. Occuper le canon. Et donc, trouver un moyen de le séparer du reste. Bah, c'est la strat que j'ai employée. Il se retrouvait tout seul. J'envoyais les chiens. Un pour gérer, un pour bait quelque chose. Il m'a servi à occuper les massacreurs. Pour après, finalement, envoyer les minotaures dessus. Parce que les minotaures anti-large sont nettement... Et ça, c'était, je pourrais, à titre comparatif, en PVP d'expérience, cave anti-large contre monstre anti-large, enfin, quand je dis monstre,
entités monstrueuses, mais pas à plusieurs, telles que les minotaures anti-larges, les ogres anti-larges, ce genre de choses, sont plus efficaces. Par exemple, voilà. Là, les minotaures ont été plus efficaces contre les massacreurs que les massacreurs contre les minotaures. Et d'expérience, j'avais fait ça aussi, c'était les ogres armes lourdes, donc anti-larges. Les, comment, les mangeurs d'hommes armes lourdes contre les ours de Kislev. Et bah, j'étais, les mangeurs d'hommes étaient plus puissants. Et là, ça s'est encore répété. Donc visiblement, l'infanterie monstrueuse anti-large est meilleure, enfin, en duel contre la cavalerie anti-large. Et là, pour l'instant, moi, ça m'a réussi. Des bisous YouTube et bah, une prochaine vidéo, que ce soit de la campagne ou une prochaine bataille de quête qu'on va tryhard. Des bisous.